Aujourd'hui, on va parler de whey protéine parce que c'est important. Tu vois, quand j'ai fait de la musculation, il y a eu cette période où je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre, je vais acheter de la whey, je vais devenir balèze. Et la whey ne va pas te rendre balèze. Tu vois, ça c'était une de mes erreurs parce que si j'ai acheté de la whey pour la première fois, c'est parce que je voulais être balèze. Tout simplement, je voulais pas chercher à comprendre à quoi ça servait, je voulais juste être balèze. Et même si que je suis sponsor chez MyProtein, je suis chez eux, il faut que je te dise comment je la prends, pourquoi. C'est important. D'ailleurs, si tu donnes de la force, tu as le code DAMS, d'accord, sur le site MyProtein pour prendre tout ce que tu veux. Passe par mon lien parce que c'est important. C'est comme ça que le soutien réel arrive en passant par mon lien et en mettant mon code en même temps. La MyProtein sert à compléter ton alimentation afin que tu puisses respecter ton apport journalier en protéines. Ça sert juste à ça. Donc, si par exemple tu es en prise de masse, tu dois assimiler une certaine quantité de protéines, au lieu de manger plusieurs fois, eh ben, tu vas manger et compléter avec ta whey. Ok, ça sert à ça. Moi, avant, je faisais quoi? Pour moi, la whey, c'était après chaque repas et après la salle. Comme ça m'aidait à devenir balèze. Et la première fois que je le prenais, je prenais juste après la salle. Et ça, bien évidemment, c'est une erreur parce qu'il n'y avait aucun calcul. Il n'y avait rien, tu vois. C'est juste, je prenais parce que j'allais devenir balèze. Donc voilà, sans calcul, sans rien. Et ça, c'est une erreur. Sachant qu'avant, tu avais juste whey protéines et gainer. Mais là, maintenant, tu as trop de trucs. Tu as la whey simple, tu as la whey isolate, tu as la clear whey, tu as le gainer. T'as des clear gainers, hey, c'est un truc de fou. Maintenant, t'as beaucoup trop de choses. Moi, je vais te dire ce que j'en pense de tout ça. Après, je te dirai comment je les consomme. La whey protéine simple, c'est la protéine de base, d'accord? Dis-toi que voilà, c'est ce qui a été là et toujours été là. Ça te permet de compléter ton alimentation et d'atteindre ton apport journalier. Le gainer, c'est beaucoup plus calorique que la whey. Ok? Le gainer de base, c'est pour les gens qui ont du mal à prendre du poids. Moi, j'ai commencé avec de la whey, après j'ai pris un gainer direct. Parce que je me suis dit, bon, si je prends ça, je vais progresser encore plus vite. Donc, je prenais du gainer. Tout ce qui est whey iso, whey hydrolysé, tout ça là, c'est des whey protéines avec des choses dedans qui permet une meilleure assimilation dans le corps. Parce que là, ouais, bien entendu, comme de base, c'est des protéines de lait et tout, bah ça te fait aller aux toilettes direct. Ton corps, elle digère, hop, tu vois. Donc, pour répondre à toutes ces objections-là, bah, il y a les whey hydrolysés, les whey iso, les clear whey. Comme ça, tu le digères bien. Ton corps accepte bien ça. Et du coup, les gains, ils sont là, tu vois. Et ça, c'est important. Et moi, je te conseille tout ce qui est clear whey. Les clear whey sont juste incroyables. Ok? C'est des whey fines. Ou quand c'est dans ton shaker, tu n'as même pas l'impression que tu bois de la whey. Tu as l'impression que tu bois de l'eau aromatisée. Je vais le ranger dans mon décor parce que ça fait un trou. Et les clear whey, c'est super bon. D'ailleurs, la meilleure, c'est la goût pêche de chez MyProtein. Donc, prends-la, c'est important. Et là, je t'ai montré une whey. Au début de vidéo, celle-ci. L'impact whey de chez MyProtein. Alors, je vais te dire les mêmes phrases que j'ai dit quand je n'étais pas sponsorisé chez MyProtein. Parce que j'ai toujours fait des unboxings, des vidéos MyProtein sans être sponsor par eux. Et l'impact whey, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt d'en prendre pour optimiser son physique. Tu vois, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Parce que niveau composants et tout, c'est pas ce qu'il y a de plus top de chez MyProtein. Et comme je dis, MyProtein, ils sont intelligents. Parce qu'ils ont des gammes pour tout type de prix. C'est-à-dire qu'ils ont ces whey-là, que je ne conseille pas, et des whey beaucoup plus pro. À des prix qui vont être équivalents à la concurrence, mais incroyables qualitativement. Ces whey-là, pour moi, ils me servent vraiment à compléter mon alimentation. Parce que tu vois, dedans, ils sont un peu sucrés, tu vois. Et comme moi, je mange très peu avec le travail et tout, j'ai besoin de ça. Et moi, je les consomme avec du lait. Ça veut dire que c'est beaucoup plus calorique. Ces whey-là, avec du lait, c'est une dinguerie. D'accord? C'est juste une dinguerie. Ça veut dire que tout ce qui est impact whey, tous les goûts,
Tu mets du lait, tu vas apprécier ta whey. Tu mets de l'eau, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais tu mets du lait, ça va être incroyable. Beaucoup plus calorique, mais incroyable. Moi, ça m'aide. Quand tu manges pas beaucoup, quand tu sens que tu es en baisse d'énergie, tu prends ton impact whey ou céréales milk avec du lait. Crois-moi que tu es content après. Et l'avantage avec ça, c'est que c'est pas cher. Tu vois, c'est pas cher, c'est les gammes les moins chères. Je sais que certaines personnes m'ont dit, oui, Dams, je suis là, je prends 2 kilos, ça revient tant, ça revient cher et tout. Ouais, mais tu prends 2 kilos. Moi, je prends que des petits trucs de 500 grammes. Parce que, en fait, je t'explique. Quand je prends 1 kilo ou plus d'un kilo et je le consomme ne serait-ce que 5-6 fois, ou la 7e fois, je serais déjà en mode, je serais dégoûté, tu vois. Parce qu'en fait, il y a un effet où quand tu dis, tu vois pas le fond du paquet, et ben, tu es dégoûté. Or que ça, les 500 grammes, quand tu commences à voir le fond du paquet, tu commences à te dire, ah ouais, faut que je reprends d'autres, tu vois, ou alors le goût, il m'a suffi. Mais ça, c'est bien. Déjà, de 1, ça te permet de jauger le goût, et de 2, bah, ça te permet de finir le paquet. Psychologiquement, tu vas le finir. Le sachet de 2 kilos, combien de sachets de 2 kilos j'ai acheté et j'ai pas fini? Tu vois, parce que j'y arrivais pas, parce que c'était toujours la même chose, parce que c'était toujours la même way, tu vois. Donc voilà, 500 grammes, c'est abordable, c'est bien, et voilà, c'est bon les gars. Par contre, tout ce qui est Clear Whey, que je t'ai montré derrière, la Clear Whey Pêche, attends, je vais te dire, Clear Whey Pêche, Clear Whey Cranberry Raspberry, très très bon, Clear Whey Mojito, je conseille pas, Clear Whey Mango Coco, je conseille pas. Clear Whey Pêche, c'est la meilleure, d'accord. Je sais qu'il y a celle Fruit du Dragon, super bon, incroyable. Les Clear Whey, il faut les prendre avec de l'eau, d'accord. Pas du lait, pas de l'eau, c'est super bon. Et les Clear Whey, tu vois, il m'est même arrivé de les boire pendant ma séance, tellement que c'est fluide, tellement que c'est bon, en même temps que mes BCA, tu vois. Donc voilà au niveau de la whey protéine, comment je la consomme et tout. N'hésite pas, si tu as la whey, l'impact whey et tout, t'as le site MyProtein, ok? Le site MyProtein est là pour ça avec le code DAMS. Là, c'est Noël, c'est les fêtes, on va commencer les résolutions et tout. Code DAMS, c'est important. En tout cas, j'espère que t'as fait cette vidéo. Mets un petit j'aime, un petit commentaire, c'est pas fait. Abonne-toi à la chaîne. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.